Bienvenue à Incarné et Sacré. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit message. On voit beaucoup de gens qui publient leurs autobiographies, qui manifestent leur passé, leurs expériences, pour inspirer les gens, leurs expériences douloureuses. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que là j'ai tout préparé mon beau setup pour parler aux gens de choses profondes et sérieuses. Vous voyez? Je me prends trop au sérieux. Petit chat me dit Hé hé! Regarde la vie. Regarde la vie qui se passe ici maintenant. Ben oui, je te regarde. Je continue dans ma lancée. On va voir. Si je vais être interrompue encore. Donc, beaucoup de personnes parlent du chemin qu'ils ont parcouru pour en arriver là où ils sont maintenant, au bonheur. Beaucoup de personnes s'expriment avec authenticité, vulnérabilité, s'ouvrent à l'humanité pour parler de leurs expériences. Je l'ai fait moi aussi. J'ai écrit L'amour point final, un premier livre à 24 ans. Puis Un pas à la fois, une autre autobiographie, la suite du premier. J'ai écrit, publié L'imperfection parfaite, L'âme-cœur, le don de Bianca, S'aimer pour semer, en 10 étapes, comment faire la paix avec soi. La fin du pourquoi, un livre symbolique. Un recueil de pensées et La folle des chats. J'ai écrit, ô combien j'ai écrit. Regardez-moi. Vous savez, le message que je veux apporter ici dans cette chronique, capsule, qu'importe, dans ce partage, c'est qu'il n'est pas nécessaire de passer par autant de souffrances pour comprendre ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Le plus beau cadeau qu'on puisse laisser à cette humanité, quand on va quitter, c'est de ne laisser aucune trace de notre souffrance. Ce n'est pas parce que des gens inspirants vous motivent, ce n'est pas en suivant leurs traces que vous allez trouver votre éveil, votre propre luminosité intérieure. Certaines âmes ont choisi de s'incarner pour vivre des expériences traumatisantes. Des expériences de souffrance pour éveiller l'humanité au merveilleux message suivant. Il y a toujours eu, toujours eu cette lumière, même dans les périodes les plus sombres. Certaines personnes ont choisi de vivre ces expériences
pour à leur tour montrer le chemin de l'éveil, sans que vous ayez à passer par là, par ces couleurs ternies, teintées, ces couleurs biaisées par la souffrance. Le chemin dans cette forêt vierge a déjà été défriché. Maintenant, pour ceux qui en ressentent la peine, marchez avec aisance dans celui-ci. Et de par votre amour bienveillant, prenez soin des gens qui vous entourent et de ceux qui ont défriché la trahie. Ceux qui ont défriché la trahie. L'homme devient sage quand il comprend qu'il n'a pas besoin de la souffrance pour évoluer. Donc, honneur à tous ceux qui incarnent cette sagesse depuis bien longtemps. Et honneur à tous ceux qui ont choisi l'expérimentation pour comprendre et ensuite inspirer les gens. Nécessaire de souffrir pour être heureux. Ce n'est pas un chemin, un passage obligé. La lumière est partout, tout autour en nous. Et la noirceur aussi. C'est le cadeau divin qui nous est offert, que celui d'avoir la chance d'expérimenter la vie terrestre. Si tu reconnais, toi aussi, que tu as le droit et que tu mérites de goûter à la joie, à la paix d'esprit, à la sérénité. Mais tu ne sais pas comment y accéder. Tu as besoin d'un petit coup de pouce. Mais visite mon site web www.semer-pour-semer.com. Parce que depuis bon nombre d'années, je sème des petites graines qui ont fleuri, germé et fleuri, et qui se sont épanouies, qui sentent bon. Et en ton cœur, j'en ai une aussi à déposer. Et en mon cœur, tu en as une aussi à déposer. Je t'invite à ma rencontre. Je nous invite à cette rencontre. Si tu as envie de calme et de paix à l'intérieur de toi, d'authenticité, de plaisir et de joie, bien, j'ai une map au trésor à te présenter. Donc, suis-moi.
magique ensemble.